Bienvenue chez Synergy Nexus Innovation, la société mère de Canada SmartMed. Dans cette vidéo, je vais vous guider pour apprendre le français en trois étapes. Cette vidéo contient la théorie, un exemple et des exercices pour vous aider à bien comprendre. Should any questions arise, I encourage them to reach us via our comments section. Moreover, if this content resonates with you and you know someone who would benefit from it, please share this video with them. Comprendre les adverbes. Les adverbes sont des éléments polyvalents du discours qui modifient les verbes, les adjectifs ou d'autres adverbes. Ils fournissent des informations supplémentaires sur la manière, le moment, le lieu ou le degré d'une action. 1. Type d'adverbe. Les adverbes peuvent être classés en différentes catégories selon leur fonction. Adverbe de manière, ces adverbes décrivent comment une action est réalisée. Par exemple, rapidement, lentement, joyeusement. Adverbe de temps, ces adverbes indiquent quand une action se produit. Par exemple, maintenant, plus tard, hier. Adverbe de lieu, ces adverbes indiquent où une action se déroule. Par exemple, ici, là, à proximité. Adverbe de degré, ces adverbes précisent l'étendue ou le degré d'une action. Par exemple, très, extrêmement, assez. Adverbe de fréquence, ces adverbes indiquent la fréquence d'une action. Par exemple, toujours, jamais, parfois. 2. Placement des adverbes. Les adverbes peuvent être placés à différents endroits dans une phrase, selon l'emphase ou la clarté souhaitée. Avant le verbe principal, elle court rapidement pour attraper le but. Après le verbe principal, elle court rapidement pour attraper le but. Au début ou à la fin d'une phrase, rapidement, elle court pour attraper le but. Elle court pour attraper le but rapidement. Avant l'adjectif ou l'adverbe modifié, le musicien extrêmement talentueux a performé parfaitement. 3. Formation des adverbes. De nombreux adverbes se forment en ajoutant « ment » à un adjectif, lent lentement, heureux heureusement. Certains adverbes ont des formes irrégulières, bon bien, rapide vite. D'autres sont identiques à leur adjectif correspondant, dur, adjectif, dur. Adverbe, rapide, adjectif, vite, adverbe. Exemple. Sarah a joué du piano magnifiquement au concert. Dans cette phrase, magnifiquement est un adverbe de manière, modifiant le verbe jouer. Il fournit des informations supplémentaires sur la manière dont Sarah a performé au concert. Maintenant, passons au quiz. Quiz, adverbe. 1. Sarah chante votre response. A. Beau. B. Bien. C. Belle. 2. Ils sont arrivés votre response que prévu. A. Vite. B. Plus vite. C. Rapide. 3. Le train est parti votre response. A. Tard. B. Plus tard. C. Plus tôt. 4. Il parle anglais votre response. A. Couramment. B. Courante. C. Courant. 5. Elle danse votre response. A. Gracieux. B. Gracieusement. C. Grâce. 6. Ils reviendront votre response. A. Bientôt. B. Plutôt. C. Très. 7. Elle mange votre response. A. Sain. B. Sainement. C. Santé. 8. Il conduit votre response. A. Prudent. B. Prudemment. C. Prudence. 9. Les oiseaux chantaient votre response. A. Douce. B. Doucement. C. Douceur. 10. Le projet a progressé votre response. A. Bien. B. Bon.
c'est meilleur. Réponse et explication. 1. B. Bien, adverbe de manière, modifiant le verbe chante. Sarah chante bien, indiquant comment elle chante. 2. B. Plus vite, adverbe de manière, décrivant le verbe arriver. Ils sont arrivés plus vite que prévu, décrivant la rapidité de leur arrivée. 3. B. Plus tard, adverbe de temps, indiquant quand le train est parti. Le train est parti plus tard que prévu, précisant le moment du départ. 4. A. Couramment, adverbe de manière, modifiant le verbe parle. Il parle anglais couramment, décrivant sa maîtrise de la langue. 5. B. Gracieusement, adverbe de manière, décrivant comment elle danse. Elle danse gracieusement, indiquant ses mouvements élégants. 6. A. Bientôt, adverbe de temps, indiquant quand ils reviendront. Ils reviendront bientôt, précisant le moment de leur retour. 7. B. Sainement, adverbe de manière, modifiant le verbe mange. Elle mange sainement, décrivant ses habitudes alimentaires. 8. B. Prudemment, adverbe de manière, décrivant comment il conduit. Il conduit prudemment, indiquant la prudence dans sa conduite. 9. B. Doucement, adverbe de manière, modifiant le verbe chanter. Les oiseaux chantaient doucement, décrivant la qualité de leur chant. 10. A. Bien, adverbe de manière, décrivant comment le projet a progressé. Le projet a progressé bien, indiquant une progression satisfaisante. Grâce à ce quiz, vous avez eu l'occasion d'appliquer votre compréhension des adverbes dans différents contextes, améliorant ainsi vos compétences en compréhension et en utilisation. Rappelez-vous, apprendre une langue nécessite une pratique et une application constante. Notre sponsor propose des cours quotidiens en anglais et en français, ainsi qu'une assistance à la recherche d'emploi, à un tarif abordable de 0,20$/jour. Ne vous attendez pas à un miracle, prenez en main votre apprentissage dès aujourd'hui. Si des questions se posent ou si vous avez des suggestions pour les futures vidéos, veuillez laisser vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo pour soutenir notre chaîne et aider les autres dans leur parcours d'apprentissage des langues. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine fois, continuez à apprendre et à progresser avec Synergy Nexus Innovation.